J'espère que vous allez bien. On est mercredi fin d'après-midi, même début de soirée, et j'ouvre un nouveau vlog. Alors, premièrement, je vais vous faire un petit update lecture. Du coup, si vous avez vu mon vlog précédent, vous savez que j'ai commencé le nouveau roman de Sarah Yerman aux éditions Hurlevent. Donc, ça s'intitule Le cœur singulier de Millie Davis. Étant donné que le week-end passé j'avais pas mal de choses de prévues, j'ai pas avancé dans ma lecture, donc je suis toujours au chapitre 17 à la page 205, il y en a 750 je pense, oui, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas beaucoup plus avancé. Pourquoi? Parce que je l'avais pas pris avec moi le week-end passé, et du coup j'avais pris ma liseuse et j'avais continué la saga, la trilogie Secret Défense d'Aimer. Dont je vous parle dans le vlog précédent. J'avais lu le tome 1 la semaine passée, et c'est une trilogie que j'ai déjà lue à plusieurs reprises. Je l'ai lu, je pense, pour la première fois il y a 3-4 ans, et depuis je relis cette trilogie tous les étés. Mais quand je dis relis, c'est vraiment en diagonale. Enfin, ça me prend quand même quelques heures bien sûr, mais ça va beaucoup plus vite que si c'était la première fois, évidemment. C'est une trilogie que j'affectionne particulièrement, et ça fait toujours très très plaisir pendant l'été de me replonger dans cette histoire. Donc voilà, j'ai terminé le tome 2 et le tome 3, j'ai terminé le tome 3 cet après-midi, et du coup j'avais mis sur pause cette lecture-ci. Je vais la reprendre, je pense, mais j'avoue que donc la première partie que j'ai lue, j'adore vraiment pour l'instant. Je ne sais pas si c'est la taille du livre qui me bloque un petit peu pour retourner dans ma lecture depuis ce week-end, ou si c'est parce que j'étais trop plongée dans cette fameuse trilogie Secret Défense d'Aimer, et que du coup j'ai préféré mettre ça sur le côté. Donc je ne sais pas si je vais continuer ce livre maintenant, ou si je vais le laisser pour plus tard, parce que je pense qu'il mérite vraiment toute mon attention, et j'ai pas envie d'être à moitié dedans. Donc vous saurez dans plusieurs minutes pour vous, et dans quelques heures, voire dans quelques jours pour moi, ce que j'aurais décidé de faire, parce que comme je disais, j'ai terminé le tome 3 cet après-midi, donc j'ai plus vraiment de livres papier, si ce n'est que je suis toujours dans mon livre audio La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley. Et je vous disais dans le vlog précédent que je n'avais pas le livre papier parce que ça faisait un petit temps que j'avais plus été en librairie. Par contre, j'ai été aujourd'hui en librairie, et du coup je me suis procurée, sans grande surprise, La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Une très très belle couverture. Vous voyez que c'est un pavé. Je pense qu'il fait 725 pages, quelque chose comme ça. 725 pages, et j'en suis à un tiers. Donc j'ai lu 250 pages, donc c'est un livre que j'ai en livre audio. Jusqu'à présent, je n'ai fait que l'écouter, mais maintenant que j'ai le livre papier, je risque de mixer un peu les deux, de lire certains passages ou d'écouter certains passages. Donc à voir, je pense que ce soir, après avoir tourné ces petits passages de vlog, je vais continuer dans le livre. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, j'adore, c'est vraiment un très 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 bon livre, une très très belle plume, même si c'est sans grande surprise au niveau de la plume, étant donné que Lucinda écrit très 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 bien. Vu que je suis à un tiers du livre, je vais vous lire la quatrième de couverture, parce que maintenant je sais de quoi ça parle. Donc, Wharton Park. Julia Forrester n'a jamais oublié les étés idylliques de son enfance, passé à arpenter la somptueuse propriété où son grand-père prenait soin des plantes exotiques, si rares dans cette région du Norfolk. Aussi, est-ce tout naturellement qu'elle vient y chercher refuge après le terrible drame qui a bouleversé sa vie. Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir qu'elles abritent aussi bien des secrets. C'est dans le journal intime tenu dans les années 1940 par son aïeul qu'elle perce peu à peu le mystère d'une histoire d'amour qui a presque détruit le domaine plus de 50 ans auparavant. À travers les destins croisés de deux familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant entre Europe et Asie, comme sait si bien nous les offrir Lucinda Riley. Envoûtant, bouleversant et intense, Gracia. Donc, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à l'histoire, si ce n'est que c'est très, très, très prenant.
Il y a une première partie qui est au présent, une deuxième partie qui est au passé. Je ne sais pas si ça va être une alternance ou pas. Depuis que je suis rentrée dans le passé, je suis toujours dans la partie passé. Mais c'est vraiment bien écrit, les personnages sont super attachants, je les trouve très humains. Et vraiment, je passe un excellent moment lecture. Et je ne sais pas pourquoi, comme je vous dis, c'est peut-être parce que je suis plus dans cette histoire depuis un petit moment, mais quand j'ai vu la brique, parce que je l'ai lu en livre audio, mais quand j'ai vu la brique aujourd'hui en librairie, je me suis dit, oh punaise, dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Et en fait, ça se dévore, ça se lit tout seul, ou jusqu'à présent, ça s'écoute tout seul. Donc voilà, je vais continuer ce livre pour sûr, en audio slash papier, mais je vous en dirai plus dans les prochaines parties de ce vlog. Donc, pour en revenir à mon passage en librairie, comment vous dire que j'ai craqué, ça faisait un petit temps que j'avais plus été en librairie, suite aux vacances, etc. Et du coup, je me suis fait vraiment fort plaisir. Donc ça, c'est le premier livre que je me suis procuré. J'ai tout un sac ici à côté de moi. Ouh, je vais essayer de pas tout faire tomber. J'ai tout un sac ici à côté de moi. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, il y a deux livres que j'ai pas trouvé, que j'ai du coup commandé. C'est la suite des McCoy. Le tome 3 et le tome 4. Donc le tome 3, je l'ai lu sur liseuse, mais je ne l'ai pas encore papier. Et le tome 4, je n'ai pas encore lu, mais que je n'ai pas. Et du coup, je les ai commandés afin de les recevoir. Donc j'y allais principalement pour la Maison de l'Orchidée, les deux tomes qui me manquent des McCoy. Et alors, troisième chose, pardon, j'y allais également pour ces deux livres-ci, mais j'en vois que un des deux. Oui, celui-ci. Sans grande surprise, le tome 2 et du coup le tome 3 de la saga Blackwater, une saga dont on entend beaucoup beaucoup parler. J'ai lu le premier tome il y a quelques semaines maintenant, je pense, avant mes vacances, il me semble. J'avais bien aimé, c'était une bonne lecture. Cela dit, cette saga fait un tollé pour l'instant. C'est vraiment souvent, de ce que j'entends, un énorme coup de cœur. Et moi, j'ai pas eu ce ressenti. C'était une bonne lecture. Cela dit, j'ai vraiment pas compris. Enfin, jusqu'à présent, je ne comprends pas l'engouement autour de cette saga. Donc, il y a 6 tomes. C'est sorti il y a quelques mois maintenant. Toutes les 2 semaines, il y avait un nouveau tome qui sortait. C'est vrai qu'il y a du suspense, c'est vrai qu'il y a un secret qu'on ne connaît pas évidemment et on se demande ce que c'est, mais au-delà de ça, pour moi c'est un livre tout à fait normal. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que je vais pas continuer la saga, loin de là. Donc je me suis procuré le tome 2 et le tome 3. Et d'ailleurs, avec le soleil, le reflet du soleil, à mon avis, vous voyez à quel point la couverture est magnifique. Enfin, les deux couvertures sont magnifiques. Et le tome 1 est ici, je pense. Hop. Parce que c'est ma nouvelle bibliothèque de livres de poche. Donc ça, c'était le tome 1 qui s'appelle La Crue, plutôt dans les argentés. Le tome 2 qui s'appelle La Digue. Et alors le tome 3 qui s'appelle La Maison. Donc vraiment une superbe édition. C'est très très joli dans la bibliothèque. Donc voilà, 2 autres livres que je me suis procurés. Ensuite, j'ai pris le troisième tome de la saga Rendez-vous avec le crime, qui est le premier tome. C'est la saga des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Alors, je n'ai pas encore lu le tome 2, j'ai lu seulement le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Je dois et j'ai envie absolument de lire tout bientôt le tome 2. C'est vrai que je prends jamais le temps de me dire, ok, maintenant je le lis. Qui est depuis un petit temps dans ma palle. Et du coup, pour me motiver et me donner encore plus envie, je me suis procuré, oula, pardon, je me suis procuré le tome 3. Donc je ne vais pas lire la quatrième de couverture parce que principalement, généralement, je ne le fais pas. Et en plus, c'est un tome 3, donc je ne vais surtout pas la lire. Mais si vous ne connaissez pas cette saga, n'hésitez pas si vous aimez les Cosy Mysteries, à vous plonger dedans. Parce que moi, en tout cas, je n'ai lu qu'un tome, mais j'ai beaucoup aimé et j'en entends que du bien de cette saga, donc j'ai hâte de la poursuivre.
Donc, autre livre que je me suis procuré. Ensuite, on continue et ça, c'était vraiment un craquage spontané. Je me suis pris, alors je pense que ça s'appelle, oui, c'est ça, Hadley and Grace, aux éditions Faubourg Marigny, et c'est de Suzanne Redfern. Ouais. Un roman délirant et trépidant, et ça, c'est le Publishers Weekly qui l'a dit. Alors, pourquoi ce roman? Tout simplement parce que j'ai été attirée par ce roman. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, principalement par les lectrices Faubourg Marigny, au moment de sa sortie. J'avais lu de bonnes critiques, il me semble, en tout cas c'est ça que j'ai en tête quand ce livre est sorti. Et alors il est vraiment mis donc, dans le bandeau en dessous. Si vous cherchez une histoire avec des personnages humainement hilarants que vous aimerez de plus en plus, n'allez pas plus loin, écartez-vous, Thelma et Louise, Hadley et Ingris arrivent. Donc voilà, de nouveau, comme je dis, je ne sais pas vous dire exactement pourquoi celui m'a attirée, mais ça m'a donné envie. Je pense que ça se passe aux États-Unis, en tout cas ça fait fort penser aux États-Unis, donc voilà, on verra bien ce que ça donnera, mais ce livre me donnait fort envie. Je continue, je vais essayer de pas trop traîner non plus pour pas que ça dure des heures. Ensuite, je me suis pris le nouveau roman de Delphine Giraud, Les couleurs du silence. Alors pour celles et ceux qui ont déjà entendu parler de Delphine Giraud, peut-être via, je pense que c'est 8 ans à t'attendre, mais 6 ans à t'attendre, que je n'ai jamais lu, mais qui a été un gros coup de cœur par beaucoup de personnes. Et alors, par contre, celui-là, je l'ai lu, Doucement renaît le jour. Donc, il y a d'ailleurs ici la photo de Doucement renaît le jour. Je l'avais lu en lecture commune avec Sophie du Comte du Café des Livres il y a un an et demi, je pense. À mon retour de Munich, donc vraiment au tout début quand j'étais rentrée de Munich. Et donc Delphine Giraud a écrit un nouveau livre qui s'intitule Les couleurs du silence et c'est aux éditions Fleuve. La couverture est magnifique. Et du coup, bah voilà, j'avais adoré son deuxième, je sais pas si c'est le deuxième, mais je pense, son deuxième roman. Et du coup, voilà, c'était sans aucune hésitation me procurer son nouveau roman. D'ailleurs, 6 ans à t'attendre, donc je pense que c'est son premier. Je l'ai dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, que de belles lectures en perspective, mais je dois absolument lire un peu plus vite pour pouvoir tout lire. Alors, il m'en reste 2. Donc, vous voyez, ça s'accumule. Alors, celui-là, c'est pas un nouveau, mais ça s'accumule bien. Ensuite, je me suis pris dans un thème un peu plus sérieux, Les Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris aux éditions Charleston. Alors celui-ci, c'est l'autrice, je pense que c'est une femme, l'autrice qui avait écrit Le Tatoueur d'Auschwitz, que vous avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux, donc c'est celui-ci. Et alors, elle a également écrit Le retour de Silka, ou quelque chose comme ça, que je ne me suis pas encore procuré, si je ne me trompe pas. Je ne le vois pas ici. Mais je ne pense pas que je l'ai déjà acheté. Mais je sais que j'avais hésité. Bref, je dois faire un petit peu le topo des livres que j'ai déjà achetés ou pas. Donc, Le Tatoueur d'Auschwitz, ça avait été mon tout premier livre sur le sujet de la Deuxième Guerre mondiale, ou sur une guerre tout simplement. Il a été pas mal critiqué sur le côté romance, dans le sens où, d'après certaines personnes, c'est trop romancé, c'est pas assez. C'est pas le côté véridique qui pose problème. Enfin, d'une certaine manière, oui, mais c'est le côté. C'est trop. Le côté romance prend trop de place par rapport au côté sérieux de la guerre, etc., dans les camps, tout ça. Et en fait, moi, ça m'avait beaucoup plu dans le sens où, étant donné que c'était mon premier livre sur le sujet, un sujet qui me faisait très très peur, qui me fait encore peur, mais même depuis, j'ai lu vraiment des livres horribles et vraiment trash sur ce sujet. En fait, vu que ça a été le premier, moi, ça m'a vraiment permis de rentrer dans le cœur du sujet,
de manière plus douce que si j'avais commencé par exemple Le Magicien d'Auschwitz ou Le Manuscrit de Birkenau, qui est une duologie que je vous recommande vraiment. Prenez vos mouchoirs quand vous allez lire ces livres, mais par contre, c'est vraiment deux livres extraordinaires. Mais du coup, j'avais beaucoup aimé ce livre, et du coup, Les Sœurs d'Auschwitz est sorti cette année, et Les Lectrices sur l'Essonne avait de très 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 bons avis, donc il me tentait bien, même si je pense lire d'abord, je pense que ça s'appelle Le Retour de Silka, mais je ne suis pas sûre, je sais qu'il y a Silka dedans, mais je ne sais plus exactement, peut-être que je vous mettrai ici le livre dont je parle, la suite du Tatoueur d'Auschwitz, pour que vous visualisez bien, parce que moi je l'ai en tête, mais si vous ne connaissez pas cette... je ne sais pas si c'est une duologie, parce que je ne sais pas si ce roman est lié aux deux premiers ou pas. Mais du coup, je vous mettrai ici, comme ça vous pouvez voir de quel livre je parle. Donc voilà, ça faisait longtemps que je n'avais plus acheté un livre sur la guerre. Ça fait d'ailleurs longtemps que je n'en ai plus lu. Ici, La Maison de l'Orchidée, je l'ai pas... Enfin, si vous l'avez entendu dans la quatrième de couverture, mais il y a une partie, toute une partie, la partie passée parle beaucoup de la guerre. Et ça fait très longtemps que je n'avais plus lu de livre sur la guerre. Et du coup, ça m'a donné envie de racheter des livres sur ce sujet. Et d'ailleurs, le dernier parle également de la guerre. Dernier livre de ce book haul. Je ne sais pas combien j'en ai acheté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livres, donc un beau book haul. Du coup, je me suis pris le Tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly. C'est aux éditions Pocket. Il a gagné le grand prix des lecteurs littérature étrangère. Et alors, celui-ci, c'est... Par l'auteur du Lila ne fleurit, ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, que je n'ai pas encore, je pense. Même chose, j'avais hésité à l'acheter, mais je dois vérifier parce que les derniers livres que j'ai achetés, je ne l'ai pas rentré dans l'application Glive, donc je ne sais pas si je l'avais ou pas, donc je ne me suis pas procurée pour être sûre de ne pas l'avoir en double. Mais voilà, ça fait un moment que je passe devant en grand format, je pense qu'il était aux éditions Charleston d'ailleurs, et là j'ai vu qu'il était sorti en poche, et du coup j'ai pas hésité une seconde, je me le suis pris. Aucune idée de quand je vais le lire, mais même chose, j'en ai entendu que du bien, j'ai aucune idée de quoi ça parle, si ce n'est que je sais que ça parle, il y a toute une partie, voilà, c'est ça, en pleine guerre de sécession. Donc je sais que ça parle de la guerre, mais au-delà de ça, j'en sais pas plus. Mais j'en ai entendu que du bien, et ce livre me faisait très très envie, comme Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Mais comme j'ai dit, je dois faire le point dans ma bibliothèque, maintenant que tous mes livres sont bien rangés, C'est pas encore trié, c'est pas encore ordonné, mais en tout cas, c'est plus en caisse, donc voilà, j'y verrai un peu plus clair de ce que j'ai, de ce que j'ai pas encore et que je souhaite. Et évidemment, ce que je faudra faire un choix dans les achats prochains, évidemment, surtout que je viens de bien craquer. Donc voilà pour le dernier livre que je me suis procuré. Je vois que ça fait déjà presque 20 minutes que je vous parle, donc je vais m'arrêter ici. Mais du coup, vous pouvez admirer mon beau butin du jour. Donc ici, ça en fait 4. Et ici, les 4 autres, il n'y a pas de liaison. Hop, avec ce gros pavé. Et donc voilà, les 4 autres romans que je me suis procuré aujourd'hui. Donc un beau butin. J'ai hâte de tout lire comme toujours, j'ai hâte de continuer cette histoire et je vous reprends de toute façon plus tard pour continuer mon petit update de lecture de cette semaine. Je vous reprends et on est vendredi après-midi et ça y est, le week-end a commencé pour moi. Je suis chanceuse et je suis trop contente. J'ai terminé mes courses pour ce soir parce qu'on a un dîner avec des amis et demain midi on fait un gros barbecue familial avec la famille Nico et ma famille pour fêter notre emménagement. Donc les tâches ménagères sont faites et maintenant place au week-end. Du coup, je reviens vous parler non pas de mes courses mais évidemment de livres. Donc première chose, je viens vous faire un petit update lecture. J'ai bien avancé étant donné qu'il me reste un tiers, je dirais un peu moins d'un tiers. Je suis à la page 505.
Et je pense qu'il y en avait 750, quelque chose comme ça. Oui, à peu près 700. 725, donc il m'en reste 225, donc je suis. Oui, il me reste un peu moins d'un tiers. Donc, toujours La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Et comment vous dire que j'adore, c'est vraiment génial. Il y a bien une alternance présent-passé, je vous disais la dernière fois que je ne sais pas si c'était présent et puis seulement du passé, mais il y a bien une alternance présent-passé. Et c'est trop bien, vraiment, quel bonheur de retrouver cette plume, cette imagination, cette créativité que Lucinda Riley a, ou malheureusement avait étant donné qu'elle est décédée. C'est un livre de fou, il fait 725 pages, vous voyez par vous-même que c'est une énorme brique, mais il se lit, il se laisse lire et c'est tout simplement trop chouette. Comme je vous le disais, moi j'ai aussi un audiolivre, donc c'est pour ça aussi peut-être que j'avance plus rapidement parce que dès que je prends la voiture, j'ai l'audio dans ma voiture et donc automatiquement bah, j'avance également à ce moment-là. Donc voilà, mais trop trop chouette, j'espère l'avoir fini avant la fin de ce vlog, donc avant la fin du week-end pour vous faire un retour terminé, mais je peux déjà dire que ce sera probablement un coup de cœur vraiment trop trop chouette. Ça parle de secrets de famille, de guerre, d'amour impossible, d'amitié. Et alors on a aussi évidemment le côté aristocrate, mais avec les... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas la classe ouvrière, mais il y a un mot spécifique, les domestiques. Et du coup, c'est autour de tout ça que ça se déroule. Et c'est juste trop, trop, trop bien. Franchement, j'aime autant l'histoire présente que celle du passé. J'ai hâte de voir où ça va m'emmener. J'ai un pincement au cœur pour l'instant, au moment où je suis, enfin à l'instant où de l'histoire dans laquelle je suis plongée pour l'instant. Mais on verra comment tout ça va se dérouler. Et alors, deuxième chose dont je venais vous parler, j'ai été, c'est une grande surprise parce que je vous l'avais dit, je les avais commandés, étant donné qu'ils n'étaient pas disponibles à la librairie. J'ai mes deux tomes de la saga des McCoy, je ne sais pas si elle est ici, oui, je vais la prendre. Voilà. Donc, le tome 1 de la saga des McCoy, le tome 2. Le tome 3, c'est La Louve et le Glaive que j'ai déjà lu. Et alors, le tome 4, La Biche et le Limier que je n'ai pas encore lu. Alors, je ne vais pas lire la quatrième, comme vous le savez, parce que de 1, je ne le lis pas, et de 2, c'est un tome 4. Donc, ça n'a aucun sens que je vous dévoile cette quatrième de couverture. Donc, ça, ce sont les 4 tomes. Trop contente de les avoir. Pour rappel, ceux qui n'ont pas vu mes vlogs précédents ou qui ne sont pas passés sur Insta, sur mon compte Insta plutôt, c'est une saga que j'ai découverte, enfin j'avais entendu parler il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, voire l'année passée, je ne sais plus, et que j'ai lu le premier tome maintenant il y a 2 mois, 2, 3 mois je crois, et énorme coup de cœur, vraiment, ça faisait très très longtemps, mais j'ai été dormir à 2h du matin. Pour pouvoir terminer, je ne sais plus si c'est le premier, je crois que c'est le premier tome, mais j'avais commencé le deuxième tome directement le lendemain, parce que c'est un immense coup de cœur, ça parle également de secrets de famille, le côté clanique, etc. Et c'est vraiment juste génial, enfin moi j'adore. Et d'ailleurs, un tout tout grand merci à toutes les personnes qui sont revenues vers moi en disant que vous étiez lancées dans cette fameuse saga. Et la plupart, en tout cas tous les retours que vous m'avez faits sont plutôt positifs. Et il y a même des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient enchaîné directement les 4 parce qu'elles voulaient savoir directement la suite. Donc moi j'ai enchaîné les 2 premiers, j'ai fait une petite pause, j'ai lu le troisième en vacances. Et alors le quatrième, je ne sais pas encore trop quand je vais le lire. J'avais lu le 3 en lecture commune avec Chloé du compte Cups of Tea and Books. Elle m'a proposé de lire le quatrième ensemble, et je pense qu'elle avait proposé en septembre. Mais peut-être que je vais essayer de lui... Enfin, je vais lui proposer peut-être de le lire en août, parce que je sais qu'en septembre, il y a le tome 5 qui sort, et en octobre, il y a le tome 6 qui sort.
Et du coup, je voudrais peut-être les lire à leur sortie, mais je ne sais pas si c'est début, fin septembre, bref. À planifier, mais en tout cas, merci pour tous vos retours. Quel bonheur de savoir que vous êtes lancé dans cette saga et qu'elle vous a plu beaucoup, si ce n'est même autant qu'à moi. Donc, il n'y a rien de plus chouette finalement derrière toutes ces vidéos et derrière mon compte Instagram de savoir que vous m'avez fait confiance et que vous êtes lancé dans l'une ou l'autre lecture et que vous avez apprécié votre lecture. Donc, n'hésitez surtout jamais à me dire, à revenir vers moi. Ça fait toujours un immense plaisir. Donc, voilà pour les choses dont je voulais vous parler. Donc, pas grand-chose, si ce n'est que ma lecture en cours, une pépite, et la collection qui s'agrandit du côté d'Emma Coy dans la bibliothèque. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est lundi après-midi et je viens clôturer ce vlog. J'ai eu un super week-end, donc comme je vous avais dit, on a eu un barbecue de famille samedi midi, c'était vraiment super chouette. Et dimanche, c'était journée repos slash montage d'armoire IKEA, et je vous aurais mis un petit passage. Je ne peux pas encore vous montrer le résultat final étant donné que on n'a pas terminé, il nous reste quelques tiroirs à monter et on montra ça ce soir. On n'avait pas envie de se casser à la tâche non plus hier. Du coup, ça c'était par rapport à mon week-end. Donc je n'ai pas tellement lu ce week-end, si ce n'est que j'ai quand même terminé samedi matin en préparant justement toutes les salades, etc. pour le barbecue en audiobook. J'ai terminé La maison de l'orchidée de Lucinda Riley aux éditions Charleston, et sans grande surprise, c'est un immense coup de cœur. Je suis vraiment passée par plein d'émotions durant cette lecture. J'ai eu le cœur serré, j'ai eu mal au cœur, j'étais joie, j'étais tristesse, j'étais frustration. Franchement, si vous aimez ce style de roman, foncez, vous ne serez pas déçus et ne vous arrêtez surtout pas au pavé que c'est. Donc je le répète, je crois 750 pages, oui c'est ça, 750 pages plus ou moins, et juste incroyable, moi j'ai adoré. Et alors plus tôt dans cette vidéo, il me semble que je vous ai dit que c'était la première fois que je lisais du Lucinda Riley en dehors de la saga des 7 sœurs qui est, je vous disais, une partie est ici. Ce n'est pas vrai parce que j'ai lu Le secret d'Elena. Alors je vous mettrai une photo ici parce que je crois qu'il est dans le fameux sac que les parents Nico m'ont apporté. Et d'ailleurs je vois ici un sac que j'ai pas encore vidé, mais il est juste ici. Et je vois ici le tatoueur d'Auschwitz dont je vous parlais tout récemment avec l'achat des sœurs d'Auschwitz de la même autrice. Donc ce n'était pas le premier roman en dehors de la saga des 7 sœurs que je lisais de l'autrice. Cela dit, j'en ai pas lu beaucoup, si ce n'est les 7 tomes de la saga des 7 sœurs. Mais vraiment, ça confirme une fois de plus, même si je n'avais plus besoin de confirmer, que c'est une autrice exceptionnelle et que ses livres sont juste génialissimes. Et j'ai hâte de découvrir la suite de ses romans. Qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Alors en audio, je n'ai encore rien pris et rien commencé d'autre. Par contre, en papier, j'ai commencé le tome 2 de Blackwater, donc ça s'appelle La Digue, livre que je me suis procuré la semaine passée dans mon book haul que vous avez vu passer dans cette vidéo. C'est un livre qui se lit très rapidement, donc je l'ai commencé samedi, fin d'après-midi slash soirée quand tout le monde est parti, et je suis à la page 118 sur 230 pages, sur 250 pages. Donc je suis à la moitié, à quelques pages près, je suis à la moitié. Que dire de ce tome 2? Donc pour rappel, mais je vous en ai déjà parlé, le tome 1, justement dans cette vidéo, le tome 1
était bien, mais j'ai vraiment pas ressenti cet engouement que j'ai pu voir sur les réseaux. C'est le même opinion, enfin la même opinion jusqu'à présent dans ce livre. Ça se laisse lire. Le côté que le fait qu'on connaît déjà les personnages, ça m'a aidé à rentrer plus rapidement dans le livre que la dernière fois. Mais par contre, jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas l'engouement pour cette saga. Comme je dis, ça se laisse lire, mais je ne ressens pas beaucoup plus que ça pour l'instant, si ce n'est que bien sûr, il y a le côté suspense où on sait qu'il y a quelque chose qui se passe et on ne comprend pas pourquoi. Mais j'ai déjà connu des livres avec beaucoup beaucoup plus de suspense, ou en tout cas où je ressentais le suspense beaucoup plus fort. Donc voilà, c'est pas une mauvaise lecture, loin de là. Cela dit, mais bon, comme je dis, je ne suis qu'à la moitié, donc à voir ce que la suite me réserve. Mais voilà, en tout cas, en ce qui concerne mon objet de lecture et ma lecture en cours. Mais du coup, je m'arrête ici pour ce vlog-ci. Je pense que c'est déjà pas mal. Une fois de plus, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je vous remercie pour votre confiance et merci pour votre présence. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager et échanger avec vous sur la lecture. Donc voilà, n'hésitez pas, comme toujours, en commentaire à venir me dire ce que vous en avez pensé de ce vlog, de ce book haul et de mes lectures. C'est avec grand plaisir que je partage tout ça et que j'échange avec vous. Donc voilà, je m'arrête ici, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Et d'ici là, bonne lecture!